Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 44e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors, je vous avais dit la dernière fois, et l'avant-dernière fois aussi, sauf que j'avais oublié, que j'allais regarder où est-ce que j'en étais dans les objectifs. Alors, c'est tout simple, j'en ai réalisé un. Il s'agit de 5, d'avoir au moins 5 héros. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 6. Ce qui est très très bien. Tiens, d'ailleurs, faut que je compte lui. Et toi, voilà, c'est bon. Concerne un autre défi, c'était d'avoir 100 personnes dans mon équipe, enfin dans ma troupe. On y est presque, on y est presque, il ne manque pas grand chose. Hop, le dernier, on est à 93. Donc du coup, il faudrait que je prenne deux niveaux ou alors un niveau et pas mal de renommée histoire de monter en fait le maximum, parce que c'est le maximum, enfin. La taille du groupe se calcule en fonction de l'effectif de base, de sens de commandement, de charisme et de la renommée. Donc en fait, soit je monte la renommée, soit le sens de commandement, soit le charisme, sachant que mon personnage est assez charismatique, voire même très charismatique. Chaque point augmente la limite de la taille de votre groupe de 1. Ah oui, d'accord. D'accord, donc il faudrait vraiment que je le monte. Faudrait que je monte le charisme et le sens du commandement, c'est charisme. Ok, aussi. Donc, faudrait aussi que je monte le sens du commandement. Ce qui veut dire qu'il faut encore que je prenne des niveaux. Expérience 203 911, il faut que j'aille à 226 879. Autant vous dire qu'on est parti pour encore un petit peu de temps de farm de baston. Concernant les fiefs, il fallait que j'ai au moins deux fiefs. Bon, bah là, c'est fait, j'en ai trois. Avec 4 bâtiments dedans. En tout cas, il fallait que je construise 4 bâtiments. Sachant que là, il y en a. Moulin, tour de guet, ça va y en avoir 3. La question est, combien j'en ai fait à Tatsamèche? Je sais que j'en ai pas lancé un seul à Emirin. On va aller voir du côté de Tatsamèche. Peut-être que j'en ai fait quelques-uns. Grande salle de Dirim. Il faut que j'aille à la grande salle de Dirim. Ah, ça veut dire tournoi, ça veut dire tournoi, ça veut dire renommée. On y va. Direction Dirim. Comme ça, on pourra passer à tête sa mèche à côté. Après, il fallait que je chope un château. Un château, je l'ai fait, sauf que du coup, je l'ai plus. Je l'ai plus, ce qu'il faudra faire à la prochaine guerre. De toute façon, on a encore un peu de temps. Bon, bah, tournoi. Hein. De toute façon, j'ai du fric, donc je peux y aller. YOLO! Fais-moi tâche. Aïe. Aïe. J'ai bien ta super épée là. Ok, d'accord. Voilà, je veux ta super épée. Allez, viens là. Toc, ça c'est fait. Ah, je vais parier sur moi-même. Ouh là là, YOLO. C'est quoi ce nombre de participants complètement hallucinant? Et puis, ces équipes tellement mal faites! Comment voulez-vous qu'on se batte correctement? Voilà. Oh la vache. Où en sont les verts? Ok, ça c'est bon. Ah, t'étais pas encore mort? Oh, YOLO. YOLO, vous êtes un peu beaucoup là. Vous êtes vraiment beaucoup.
Oh, je les ai gérés. Oh, je les ai gérés. Désolé si je parle pas beaucoup, c'est un peu normal. Je suis concentré, mais je les ai gérés. Deux équipes avec chacun trois combattants. Mais... comment c'est mal foutu, votre truc? Bon, à la limite, j'ai mon arme préférée. Mais quand même, c'est mal foutu. Genre parce que ça... c'est pas censé être permis. C'est un tournoi, c'est censé être fair play. Pas complètement random. Plus la LIA, elle fait n'importe quoi. Viens là, salopard. Voilà. Ça fait quelques points d'XP. Ça fait pas des masses de points d'XP, mais au moins, ça fait un peu de thunes. Et vu que chaque semaine, là, je rack énormément. Allez, je vais faire des dégâts avec la lance couchée. 64 points de dégâts. Oh la vache. J'ai infligé 30 points de dégâts et ça n'a pas suffi. Raté. Ça n'a pas suffi non plus. Voilà quand même. Deux équipes, un combattant. Bon, je sens le truc où lui il est à cheval et moi à l'arc. Bon, d'accord, il est à cheval mais il a pas d'arc. Enfin, moi j'ai pas d'arc. C'est déjà pas mal. Allez, cale-toi dans un mur. Voilà, apprends à conduire. Voilà. J'aurais dû taper le cheval aussi, sinon c'est pas mal. Deux équipes, un combattant. C'est tellement pas logique. Moi, tu vois, je me rapproche de mes cibles. Il n'y a pas encore compris hein, que je zigzaguais juste parce qu'il... aïe. C'est bon, je l'ai eu. On a fait un tir à la tête quand même. 3980 deniers, plus 200. Et un peu de renommée. 19 de renommée en plus. Et relation avec Dirim améliorée. Ce qui est très 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 bien. Alors, il n'y a pas le roi Gravette dans le coin? Il y a le contre lance, c'est déjà pas mal. D'accord. Que faites-vous? D'accord, il manque de troupes. Tentez de rendre visite à une dame. D'accord, ça sert à rien. Non, c'est pas entrer dans la reine que je voulais faire. Visiter la taverne. Garde de caravane. Un rançonneur. C'est bien, maintenant j'ai pas à courir après tous les rançonneurs. Tac, j'ai 30 000 deniers, ce qui est nickel. Fallait pas que je passe. Ah si. Par contre, la nourriture qui part à une vitesse, c'est proprement ahurissant. 403, voilà, c'est très bien, tout ça. Donc, alors, non, c'était pas Tipstein. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Je suis pas dans le bon sens. C'était Tatsamesh, voilà. Un champ de bataille. Il y avait un champ de bataille ici. Tatsamesh. Le peuple est contre moi. Le peuple est contre moi. Ok, il y a une école qui arrive dans 22 jours. Donc les 4 sont en train d'être construits. Donc ce défi-là est réalisé. Il faut juste que je me chope un fief. C'est-à-dire que je me chope un fort. Et ça sera bon. Alors le peuple est contre moi. Faudrait peut-être que je fasse des quêtes alors. D'accord, bon bah c'est des vaches, mais des vaches, je sais pas où je peux en trouver, il faut que je pille des villages, mais bon, flemme quoi.
Sachant que j'ai évité de piller un village comme ça. Bon, alors là, il y a des gens qui arrêtent pas de hurler dans mon casque. Ah, attendez. Je crois que ça bug. Bon, ça bug au niveau du son. Peut-être. Ils arriveront à changer ça. Il y a encore le public en fait qui hurle dans les oreilles là. J'en ai un peu marre. Almar. Oh, Almar était chaud. Oula, le sultanat des Saranides qui s'étend dangereusement. On va se méfier. Faudra se méfier. Bah du coup, nous, on va retourner du côté de chez nous. Là, on va aller à l'émirat. Voilà, l'émirat. Voir ce qu'il y a là-bas. C'est pas d'aménagement, ouais, je sais. Ben 280, aucun, je suis à moins 1000. Ah! Moins 1000, moins 1000. Alors là, en fait, je sais pas trop quoi faire en attendant. En attendant la prochaine guerre, ce qui veut dire les prochaines bastons, quoi. On va peut-être aller. Ok, Regarvette a donné des trucs. LOL. LOL. Allez, 133 contre 2. Ceci est le LOL. Avantage de combat 88. Oui! Je dis oui, 17 et 25 contre 2. Ceci est tellement n'importe quoi. Non mais genre là en fait c'est les deux Gugus qui sont arrivés devant la... Devant comment ça s'appelle? Devant l'armée et on leur a dit poussez-vous, ils ont dit non, on veut passer. En plus ils sont à Walp. Oups, excusez-moi, il y a eu un bug. En fait, j'ai saturé mon disque dur avec les fichiers vidéo. Il n'y avait plus de place du tout, en fait. J'étais complètement plein. Je voulais aller où? Je voulais aller où? Je voulais aller où? Ah oui, voilà, par là. Me tataner un petit peu, m'entraîner. Eh ben, j'espère que l'épisode va bientôt être fini parce que j'ai dû virer à la hâte 2-3 fichiers. Ah là là, je pensais que ça tiendrait pour un épisode de plus, mais il semblerait que non. Oula, Rodok contre Sultanat des Saranides. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça va être pas drôle. Donc du coup, allez hop, Château d'Oyard, on va essayer Château d'Oyard, on va voir ce que ça donne. Ah mais j'ai plus mon ingénieur Mon ingénieur ultime là. Ok. J'ai perdu 720 deniers. Ça va être très drôle. Ou pas. Attendez. 161, non, 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 161, c'est pas bon là. Faut que je trouve le bon château à éliminer. Ils ont pas de château. Ah la vache, ils sont quand même vachement bien placés au niveau des châteaux. Hein. Parce que sinon, c'est en plein chez eux. Et en plein chez eux, bah bof. Piller le village? Espérons que ça passe. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et c'est passé. Nickel. Allez, c'est parti. On se fait plaisir. C'est très bien. De la bonne bouffe. Et des bons trucs à aller revendre. Bon, j'allais dire que j'avais assez de têtes de bétail, mais en fait, non, pas que dalle. Vaiguer contre Royaume des Nords. Ok, d'accord, donc c'est la grosse guéguerre. Il y a toujours les participants qui sont en train de hurler dans mon casque. J'espère que ça... Dès que je relancerai le jeu, ça ira mieux. Améré, Aquara Gravette. Peut-être que Dirim, c'est un peu loin. Oh non, ça passe en fait. Alors. Marchand de biens. Alors, soie brute, lin, atelier de cuir... Truc que je peux pas vendre, enfin que je peux, qui me servent à rien.
qui me servent à rien. Et après le reste, on va tout garder. On va tout garder, c'est de la nourriture et ça part vite. Ah, j'ai du sel à vendre quand même. Oh la vache, 5800 deniers. Quelles sont les armures? Ouh! Ouh! 54 et 16. Ah ouais, armure de... grossier. C'est grossier et c'est... 52, 16. Ah ouais, c'est des trucs monstrueux quoi. Ah, j'ai pas de trucs communs en plus. Ah ouais. Il y a du bon matos quand même, il y a du très très bon matos. J'hésite. J'ai 32 000. Ça me ferait pas si mal que ça en fait. Ça me ferait pas si mal que ça. On peut essayer. On peut essayer. Je vais garder ça, de toute façon je perds rien. Et vendeur d'armes, est-ce que tu aurais... J'ai quoi? J'ai une épée de guerre trempée qui fait du coup en 44T, 35P. Ah ouais, non. Non, non. J'ai quand même un truc largement mieux que ce qu'ils vendent. Donc, Cassos. C'était quoi, il y avait écrit? La pauvreté de Bourg de Dirim est insoutenable. D'accord. Ok, je pensais pas. Oh, je suis positif! Je suis positif! Bon, pas pour longtemps, parce que je sens bien le pillage arriver, là. Mais je suis positif! Allez, on peut du coup retourner du côté du sultanat des Saranides, on va voir ce qu'ils font là-bas. Ils sont combien? Ils sont 15? Oh! Je sens bien. Oula, j'ai vu quelque chose passer par là. J'ai vu quelque chose passer par là. Un 69. Il va avoir peur de moi. Je sens bien. Est-ce qu'il essayait de piller mon village? T'as essayé de piller mon chez-moi, espèce de salopard, hein? Dis-le. D'accord, j'arrive. Casse-toi. Ah, ça fait 20 minutes. Non mais oh, arrêtez. Je vais me poser sur mon village et puis on va arrêter là. Parce que là, il commence à me saouler. Cassez-vous. T'as de sa mèche, elle était pire. Là, je viens de me taper la tête dans mon dans ma main. Arrêtez de piller mes villages. Pourquoi les miens, d'ailleurs? Ouh, putain de merde! Oula, j'ai pas vu. Et ben, forcément, ils sont en train de piller mon village. Mais je voudrais de l'aide, les mecs! Bon, attendez. On va se caler ici, on va arrêter là. Je pourrais pas m'en sortir tout seul, là, pour le coup. Je pourrais pas m'en sortir tout seul. Bon, on verra bien. Il faudrait vraiment que je chope le château, voilà. Et une fois qu'on aura le château, bah, en fait, on aura fini la saison. Donc, il manque juste ça. Il manque juste ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, ciao, bye bye.